Explique-moi pourquoi on attire plus les keufs que les femmes. Que nos têtes riment avec échec sur une case noire comme un jeu de dames. L'état veut nous la mettre en nous mettant tous dans le même trou. Explique-moi pourquoi les trois quarts de mes frères finissent sous écrou. Personnellement, je pense que je suis largement à la hauteur. Assez trop d'inspiration, c'est ce qui fait de moi un auteur. Freestyle, session 3, ma gueule, ça fait. Manque d'argent, problème travail, c'est ce qu'on vit nous personnellement. Notre quotidien, rien que le charbon, la rue, c'est notre élément. Pas élégant, non, et les gars, c'est illégal. J'enfile les gants dans la mêlée, non, ouais, mais les noms. Tous mes frères sous béton, non, inégal. Pas trop de temps qu'on se met à vendre quelques poches en parallèlement. Ça tombe par an, j'arrive, je vous le dis, les récalement. Je crée ouvertement ma haine envers ce système. Veulent tous nous faire croire que les robeux sont ceux qui causent problème. On fait avec, on verra par la suite. De toute façon, y'a pas de piston pour me faire du beige, je compte pas trop sur les francs-maçons. Et nique sa mère, hein. Ceux qui s'inventent des vies n'ont même pas de vécu, ils osent tous parler. Et mon frère des armées, on va pas trop se cacher. Je confirme bien que l'état nous l'a mise. On reste pisse, on analyse, tous tombés dans le piège de la cheese. C'est affolant, hein, ça se met à genoux pour un gis. Des propres amis changent après avoir capté 2-3 indices. Veulent juste nous arrêter car on balance trop de vérité. L'adversité veulent nous la mettre à moi et mes frères en cité. Nos problèmes ont des raisons attirées par le son. J'ai préféré taffer des sangs que réviser, rimer le sang.